Nous voilà à présent dans le cœur des sœurs, là où les sœurs chantent tous les offices divins et participent à la messe, et là où Sainte Marguerite Marie a vécu de longues heures en adoration. C'était toute sa vie, tout son désir d'y passer le plus longtemps possible, mais elle ne s'est jamais retirée de tous les devoirs qu'elle devait remplir, et qui était beaucoup de travail à l'intérieur de la maison. Le Saint-Sacrement était à certains moments exposé sur l'autel. D'autres fois, il était tout simplement dans le tabernacle. Elle adorait, d'une façon comme de l'autre, qu'il soit visible ou qu'il ne le soit pas. L'Eucharistie a en effet eu une place centrale dans la vie de Marguerite Marie. Elle avait soif d'être en présence du Seigneur, et même si à bon nombre de reprises elle l'a vu, elle a pu lui parler en personne, elle lui parlait dans le secret du cœur sans le voir très souvent. Et elle était là en adoration, comme la sœur que nous voyons. Le Saint-Sacrement à l'époque n'était pas posé sur l'autel central, qui n'existait pas à ce moment-là. Le Saint-Sacrement était situé à l'endroit du bas-relief des disciples d'Emmaüs, l'autel étant accolé au mur.